Eh bien, salut tout le monde, c'est Sapeu. On se retrouve donc sur la chaîne Sapeu 2 pour une vidéo présentation, enfin avancement de la team du Bled. Et ouais, la team du Bled, même si je la joue pas beaucoup, voire quasi que dalle, ça avance un petit peu. Enfin, surtout que j'ai réabonné là. Donc voilà, on va montrer un petit peu le SRAM et tout ce que comment ça avance. Donc, oui, j'ai encore des items chez Mou et j'assume hein. Parce que tout simplement, ça a rien d'utiliser. Des camas pour rien parce que j'ai pas opti full 199 vu que je vais pas rester si longtemps que ça au level 199 et bientôt et garder donc pour le level 200. Regardez, j'ai déjà une petite réserve de camas plus des camas en banque. C'est bien le serveur officiel hein. Là c'est pas la bêta test donc j'ai quand même un petit peu de camas en réserve, des trucs à vendre pour l'opti du level 200, mais c'est pas encore. Et donc oui, ça sert à rien d'avoir des items ultra cheatés pour le level 199 sachant qu'on va pas y rester 15 ans, donc autant faire une bonne panne au level 200. Ben voilà, après je pourrais acheter, mais franchement pour l'instant ça me convient largement pour ce que je fais, même si c'est pas génial. Donc voilà, le SRAM, il n'y a pas trop de changements, bah quoi qu'un petit peu forcément, je crois pas que j'avais ça dans la dernière vidéo, mais ça je l'avais déjà montré dans les avancements du SRAM où je montrais tout seul. Après j'ai encore 3 items Shenmue, hein, mais j'assume. Bon, surtout qu'ils sont pas mauvais les items, et puis c'est quand même une très très bonne panoplie Shenmue, hein. Vraiment un truc de fou. Après j'ai des items que j'ai eu à l'encamp à convention, comme le casque corbeau et le perfide clier, assez swag. Ça, je sais même plus où j'ai eu ce truc. Donc ouais, j'ai des machins comme ça que je pourrais vendre d'ailleurs. Des Shenmue, donc ouais, on va pas rester 15 ans. Alors à combien d'XP? J'ai déjà montré 41%. Donc dernière vidéo avec Celsius, je crois que j'étais à 30, 35, j'en sais rien, je me rappelle plus. 30, 35, ouais. Donc oui, ça avance comme d'habitude, c'est pas rapide, mais ça, au moins ça avance, on fait pas du surplace. Donc il reste 2 milliards. 165 millions, c'est beaucoup. Dit comme ça, c'est beaucoup. Mais ouais, non, ça va. J'ai déjà fait 1 milliard 6 quoi. Du level 59, bien sûr. Donc là, quand on regarde la barre totale, 6, 5 milliards 2 sur 7 milliards 4. Donc ouais, c'est ça. Mais bon, ouais. Franchement, moi je trouve ça va. Il y aura même un dub 200. J'espère début juillet. Quoique, non, non, pas début juillet, c'est mort. Ouais, je sais pas trop en vrai. Non, début juillet, ça reste un bon objectif quand même. Level 200 début juillet, ce serait bien. Donc j'ai passé rapidement aux autres persos. Même si, bon, les autres persos, je vais pas vous cacher, je crois pas qu'il y ait grand chose qui change. Hein. Ils ont sûrement pris un peu d'XP par rapport à la vidéo que c'était le mois d'avril. Non, si, peut-être bien. Mois de mars, c'était le mois de mars. Donc je remonte les stuffs au cas où, mais donc là, c'est une coiffe, c'est un stuff full prospection déjà. Hein. Vraiment full full, puisqu'on atteint 407 de prospection, ce qui est ma foi pas si mal, hein, sans bon. Avec 4300 de vita, mon 9 PA c'est de la merde, hein, mais c'est pour taper des captures et tout ça. On a quand même une bonne vita et vraiment 407 de prospection. Et le Rox en haut est par exemple pas dégueulasse. Donc franchement sympathique. Donc y a, sinon après j'ai ce mode là aussi. Le mode plus panneau combat, hein, même si c'est pas génialissime. On atteint quand même 4400 et si je mets une Dragonnade de Emerald, j'ai quasi 5000, enfin non. 4700 de vita, c'est pas mal. Ça fait du beau plastron. Pour PVM, en gros, ça va, c'est vraiment cool. Et donc, encore une fois, j'utilise vraiment le minimum de Kama pour faire tout ça. Hein. J'ai quasiment rien utilisé. Et donc, je trouve que c'est pas mal. Donc, voilà, j'ai mis le mode combat. Et donc, il est level 189. Et 50%. Donc, bientôt 190. 190, je rappelle que c'est le level pour la. Pour la boliche level 6, donc c'est vraiment beau, vraiment c'est un gros changement entre level 5 et level 6, vu que ça pousse d'une case en plus et les dégâts sont quand même bien plus haut, enfin bien plus haut. Non, c'est vrai que c'est pas mal quand même, hein, 5 dégâts en plus, surtout que ça booste en plus de dommages poussés et ça pousse d'une case en plus sur tout ça et un de PO en plus du coup. On passe à l'énutrophe, donc rien n'a changé non plus, elle est toujours level 200 en même temps, elle n'a pas passé level 200, hein, je vous rassure. Et j'ai même pas de full emplacement de trophée, enfin c'est bien dégueulasse. Mais encore une fois, c'est une panoplie full prospection. Et on a 423 de prospection. 670 de chance. Donc elle fait quand même des. Elle fait ses dégâts quand même. En haut, elle fait ses dégâts hein, pour les captures et tout. Après, bien entendu, je mets souvent la limbe. Enfin. Pour les. Putain, je reçois 15 000 MP. Pour les combats PVP. Mais encore une fois, j'utilise le minimum. Et puis c'est une mule à drop. Hein. Enfin, c'est pas vraiment une mule à drop, mais. Vous avez compris le genre, quoi. C'est pour dropper. J'ai fait 10 captures d'essai, y'a encore rien qui est tombé. Ah oui, ça j'ai pas dit encore. Pourquoi y a pas le crabe, vous vous dites sûrement. Pourquoi y a pas le crabe? Bah oui, il s'est fait hacker ce zigoto. J'ai lippé et tout.
J'ai dit je sais où il habite le mec, mais je sais pas qui c'est. Enfin bref, je m'en fous de savoir qui c'est en vrai. Je me suis fait hacker, du coup j'ai laissé tomber le CRA. Vu que j'ai, en fait, j'ai pas accès à l'adresse email, c'est une longue histoire. Cherchez pas à comprendre, j'ai pas accès à l'adresse email et tout, du coup le CRA a laissé tomber. Ouais, c'est dommage, hein. Surtout que j'avais des captures, c'est surtout ça qui me fait chier. Parce que j'ai perdu une panoplie Minotaur et quelques trucs. Ça me fait chier, et surtout qu'il y avait tout sur la banque du CRA, mais j'ai pu récupérer des trucs quand même. J'ai perdu une panoplie Minotaur, bon, ça va aller, j'ai dû, ça a une valeur de 15 millions, je pense, en tout, la panoplie. Avec la limbe, le gelano, qui était PAPM, je crois, je sais plus. Puis il y avait des Dofus, des machins. Mais bon, surtout, c'était les captures, quoi. Parce qu'il y avait 20 dragons cochons, 10 Minotaur or et plein de bordel. Bah, je sais pas s'il y avait au moins de 20 DC, ça, je suis quasi sûr. Donc oui, ça fait chier quand même. Surtout que c'était 20 DC, j'aurais peut-être pu drop quelque chose dedans. C'était du butin 8 en plus, je crois. Donc au pire, ça valait des camas. Hein. Donc bon, c'est vrai que ça casse les couilles un peu. Mais bon, voilà, c'est la vie. Tant pis, c'est la vie. Et donc, bon, on fait ça. Je suis touché, mais je reste debout, comme on dit. Voilà, donc petit aparté pour le CRA. Donc il reviendra pas, je pense. J'ai la flemme en plus. J'ai pas envie de me prendre la tête pour les mots de passe, le support, le machin. J'ai pas envie de me casser les couilles, c'est bien trop chiant. Donc voilà, bah, je serai avec les 4 persos. Mais bon, la team, je suis pas vraiment motivé pour la faire. Hein. Vraiment, là en ce moment, du coup. En tout cas, tant que j'aurai mon PC bien dégueulasse, en tout cas, ce sera pas trop la team. Hein. Mais bon, lâcher une vidéo comme ça. Donc le deuxième SRAM, level 181. Il a EP tout à l'heure. J'ai tapé des petites captures dans le cochon. Donc là non plus, il n'y a rien qui change. Donc là, c'est la panoplie drop. Lui, il a combien? Il a 370. Ouais, il a 370 de prospection. Donc c'est vraiment sympathique. Voilà, donc il n'y a rien de bien spécial hein, pour ces vidéos-là. J'ai quand même ouais, des trucs à. Enfin là, c'est la panoplie Shenmue. Puis ce compte-là, je joue avec mon pote de classe. Voilà. Il joue de temps en temps dessus. Donc surtout, c'est Celsius le plus important. 41%, je rappelle. J'ai des Kama cash, donc ça c'est bien. Bon, je me suis fait hacker, mais j'ai réussi à me faire quand même des Kama. Et j'ai une estimation de banque à 150 millions. Et combien de temps de vidéo là? 7 minutes, bah allez, je vais faire un tour en banque. Je vais peut-être déco même les autres persos. De toute façon, vous avez vu. Ah, il y a trop de monde en bas, je vais pas pouvoir descendre. Vous avez vu les autres hein, 189 le Zobal, 181 le SRAM et 100. 200, pardon, l'Ignotrophe. Voilà. C'est même pas vraiment une team parce que c'est vraiment les pires classes pour PVM quoi. SRAM, enfin deux SRAM, un Zobal, un Ignotrophe, enfin voilà. Hop là, donc ouais, le SRAM, genre hier. Enfin, ce sera pas hier pour vous, ce sera avant-hier, je crois. J'ai fait de l'XP solo, j'ai fait 125 millions à un jour. Donc, ça, c'est le genre de truc qui est sympa. En même temps, j'ai fait tout le tour de Frigost 3. Donc, bon, bah, il y avait les étoiles, il y avait tout ce qu'il fallait. Et donc, 125 millions, c'est 3%. Un peu plus de 3%, c'est genre 3,5%, un truc comme ça. Donc, effectivement, c'est sympathique, quoi. Si je prenais ça tous les jours, ce serait vraiment cool. Bon, après, faut quand même bien jouer pour faire les 125 millions. Mais ça n'a pas pris trop de temps que ça, hein, quand même. Hein. Ça a pris du temps certes, mais pas trop non plus. Alors la banque. Donc déjà vous voyez, j'ai 1100 items différents. Tiens, on est demain. Donc c'est quand même beaucoup. Il y a 14 millions Kama en banque. Et il y a du bordel. Alors là, il y a vraiment du bordel vu qu'on a une valeur estimée à 130 millions de Kama. Donc je crois que c'est la catégorie hausse où il y a le plus. 40 millions de Kama estimés dans la catégorie hausse. Donc ouais, il y a du bordel. Il y a du bordel côté stuff, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Ouais, non, il n'y a rien. Des captures un peu. Mais bon, ouais, bon, voilà. C'est juste une petite banque, rien d'exceptionnel, c'est tout. Le stock, j'ai pas mal de trucs Frigost 3, remarque. Hein. Je sais pas si on peut les voir, parce que je commence à avoir un pactole de trucs F3, hein, remarque. Hein. C'est tout ce que je drop solo. Est-ce que j'en ai là? Non, je sais pas. Ah si, j'ai une incisive de Stalak. Donc par exemple, regardez un petit peu Stalak. Est-ce que j'ai des trucs de stack un peu? 14 incisives, 7 ethmoïdes et ethmoïdes, oui, c'est bien ça. Mais les bugs, les valeurs estimées, c'est pas ça, hein. Je crois que c'est bugué. Cure-boule, on va regarder, je regarde un peu les monstres random. Cure-boule, 68 cuirs, 17 dents, enfin bref, vous voyez, ça commence à faire un petit peu quand même. Godruche, Godruche, ah, j'ai rien. Attends, ah non, Grodruche, c'est ça, je crois que je me suis trompé. Ouais, voilà, c'est ça. 9 étoffes, 89 cuirs, donc ouais, c'est sympa. Ça va, ah putain, ça vaut beaucoup moins qu'avant.
Ça, c'était peut-être un bug d'affichage, mais je crois que c'était à 10 000, 20, voire 20 000 km à unité. Ça a baissé, ça c'est clair et net. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Verglaceur peut-être? Verglaceur, je crois que ça vaut toujours Kekama, ouais. Ouais, ça vaut vraiment Cheros, tout ça. Enfin, vous avez vu, j'ai à peu près 10 ressources de chaque merdier. On va regarder quoi aussi. Comment ça s'appelle cette merde? Putain, j'ai un trou de mémoire. Empaillé. Empaillé. Allez, 77 cuir, 12 cœurs. Voyez, j'ai à peu près tout ça de la zone tannerie. Et dans la zone mississerie, je crois que j'ai 10 de chaque. Et j'ai même des trucs de Nessile et tout. Donc, ouais, ça fait des kamas. Mais je sais même pas pourquoi j'y vends pas d'ailleurs. 46 baves, 6 molaires. Enfin, bref, j'ai du bordel. Mais la catégorie hausse, il me semble que c'est buggé les estimations. Je crois que c'est pas, je crois pas que ce soit ça. Donc, voilà pour la team. J'ai beaucoup trop parlé d'ailleurs. Pour la team du Bled en mai, on est en mai, on est le 9 mai. Ça vient de changer à l'instant d'ailleurs, puisque cette vidéo a été tournée sur 2 jours, c'est exceptionnel. J'ai commencé le 8 mai, ça a terminé le 9, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ouais, voilà. Bah, je vous dis à la prochaine si ça peut. N'hésitez pas à laisser un like sur la chaîne Ça peut 2, même si je sais qu'il y a moins de viewers, ce qui est totalement normal. Hein. Mais il y en a quand même pas mal, hein. C'est vraiment c'est cool. Continuez à faire tourner la chaîne et. Et à laisser des pouces verts, lol, trop bien, swag, MDR, lol, pouces verts.